puis le médecin qui est arrivé sur les lieux du drame, le premier médecin, lors de l'évanouissement donc, de Madame Christine Boutin. Bon, j'ai établi tout de suite un premier diagnostic, évidemment. Donc truffe humide et froide, branchie humectée, elle bougeait bien les nageoires. Donc là, je me suis dit que son pronostic vital n'était pas engagé. Nous avons décidé avec les collègues et le SAMU de faire venir un aquarium pour la transporter à l'hôpital le plus proche. Je suis désolé, messieurs les journalistes, je dois vous laisser car j'ai un bouche-à-bouche à faire à un ancien président de la République qui est en apoplexie. Désolé, le travail. Messieurs.